Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto pour créer des types de sons rapidement sur le pedalboard Headrush. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au métal. C'est parti. Alors, je commence par créer un nouveau rig ici en haut à droite. À chaque création de rig, le pedalboard active un gate à moins 60 dB qui permet d'éliminer les sons indésirables. Comme je vais jouer des riffs assez saccadés, je vais le garder en réglant son seuil à moins 50 dB pour avoir des coupures bien propres. A noter que j'utilise ici une guitare Lag Arcane dotée de micro Seymour Duncan actif. Donc le réglage du gate doit être adapté à ta guitare. Commençons par choisir un ampli. Ici, il me faut quelque chose d'assez costaud. Je vais prendre cette modélisation d'ampli américain qui commence par un S et qui finit par un O, le SL100 Exchange. Voilà comment ça sonne sans toucher à aucun réglage. Je vais modifier un peu les réglages de l'ampli en mettant le gain environ à 60, la présence à 65 et le master à 70%. Et surtout, on va creuser l'égalisation au niveau des médiums pour avoir un son plus agressif. Pour du métal, il nous faut aussi un plus gros baffle. Je vais donc prendre un 412 65 watts pour faire un demi-stack comme il se doit. On touchera pas au micro, il est très bien comme ça. Ensuite, je vais ajouter une petite whammy pour la forme, avec une amplitude de 2 octaves pour un joli son cristallin. En amont de tout ça, je vais compresser le signal avec un réglage un peu plus poussé que par défaut pour avoir une dynamique épaisse. C'est parti!